Je m'appelle Grison et ma mère, c'est Grisonnette. Je suis le dernier né d'une ancienne lignée d'ânes qui servent la famille de Lazare, Marthe et Marie depuis le roi David. J'ai des ancêtres ânes prestigieux et Grisonnette, ma mère, m'a toujours dit que j'aurais sûrement un destin extraordinaire. Et voilà, imaginez que ce matin, alors que j'étais attachée devant la maison de Lazare et que j'attendais que Marthe m'apporte, comme tous les jours, un petit brin de feuilles de palme dont j'adore me régaler, eh bien non, au lieu de ça, voilà deux types qui débarquent, on ne sait d'où, ils s'approchent de moi, ils commencent à me détacher. Un voisin de Lazare sort et leur demande ce qu'ils font. Il lui répond qu'on a besoin de moi. Et ils m'emmènent dans les faubourgs de Jérusalem et on commence à me revêtir de beaux tissus. Là, je me dis que mon heure de gloire est peut-être venue. Car en plus, toute une foule commence à se rassembler autour de moi. Voilà les gens qui commencent à crier « Ouh, ah, bravo, bienvenue, vive le roi des rois !» Ah, j'avais jamais pensé qu'un jour, on me prendrait pour un roi. Je commence à me redresser de toute ma hauteur de petit ânon, moi, Grison, le descendant des ânes qui remonte au roi David. Je suis quand même un peu embêtée parce que voilà qu'un jeune homme d'une trentaine d'années s'assied sur moi. Heureusement, il est bien maigre et ne pèse pas trop lourd. Et surtout, malgré sa présence, les gens continuent à s'agiter autour de moi et à m'acclamer. Je m'avance vers Jérusalem et au fur et à mesure où j'avance, la foule jette devant moi un merveilleux tapis de tissus précieux et surtout des beaux rameaux de palme, justement ma friandise préférée. Aucun doute, c'est vraiment moi qu'on acclame. Enfin, on me reconnaît pour ce que je suis, le grand Grison, descendant d'une prestigieuse lignée d'ânes. Il se dit même qu'un de mes ancêtres aurait servi de mule royale pour un roi d'Israël. Ça y est, mon heure est venue. Quelle âne je suis! Quelle belle âne! Merci Sylvette. Voilà, il n'y a presque pas besoin de redire quelque chose derrière. Vous avez tous compris le message. Grison, le petit ânon, est tellement fier, mais non pas de porter Jésus, mais d'entendre l'acclamation de la foule et de penser que c'est pour lui. Et il se redresse de toute sa hauteur. Quel âne! Quelle belle âne! Et l'âne Grison, quelquefois, c'est nous. Vous l'avez bien compris. Lorsque nous portons le Christ, lorsque nous laissons le Christ traverser notre vie, toucher ceux que nous rencontrons, qui sont reconnaissants envers le Christ, nous croyons que c'est envers nous d'abord. Alors quelquefois, c'est nous les ânes, comme Grison qui voit la foule s'agiter autour de lui, devant les merci, les bravos, nous oublions que nous sommes les serviteurs, la monture, le transporteur. Ce matin, nous avons baptisé Aïna et Thomas. Et dans la liturgie du baptême, il y a cette phrase qu'ils sont appelés à servir le Seigneur un jour, à porter son amour, à être témoin de son amour, de son pardon, de son espérance pour ce monde. Et Aïna et Thomas aussi peuvent peut-être à certains moments mal comprendre, et c'est important que nous leur disions, que nous leur rappelions que le Seigneur est leur ami, leur Créateur, mais que c'est lui que nous louons, et non pas eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas et qu'ils n'ont pas d'importance.
Mais vous, parents, parrains, marraines, vous avez toujours à leur rappeler que ce ne sont pas Aïna et Thomas qui sont la source, mais qu'ils sont engendrés par un autre. Grison n'a pas compris que le centre de la scène, ce n'est pas lui, mais c'est ce jeune maître d'une trentaine d'années. Grison se voyait au centre, alors que le centre était juste 50 cm au-dessus. Ah, c'est pas très loin, hein ? Pour ça qu'on se trompe facilement. Le centre est juste 50 cm au-dessus. Ça fait pas beaucoup, mais ça change tellement de choses. C'est quand le serviteur oublie sa place et se prend pour le maître, quand il croit que la reconnaissance lui est due, qu'il devient alors véritablement un bel âne. Et je parle pour moi aussi, hein. Ça nous arrive à tous. Cela fait partie des tentations du serviteur. C'est l'âne qui prend le melon. Cela ne veut pas dire que Grison ne compte pas. Il est important. Il sert le maître. Et depuis 2000 ans, les croyants du monde entier se rappellent de cet âne. On ne connaît pas son nom, hein, ça c'est... Et vous vous rendez compte ? Il a beaucoup de prix, comme chacun de nous. Nous comptons beaucoup. Nous avons vraiment du prix, nous ne sommes pas négligeables. Le rôle que Grison, que cet âne a joué dans la vie de Jésus, le rôle qu'il a joué dans l'accomplissement des promesses de Dieu, est très important. Et à chacun de nous aussi. Jésus peut dire, comme dans la parabole des talents, « Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. » Amen.